de voir les miracles. Oui, nous voudrions te voir, nous voudrions te voir. Sa vie était toujours pirate, mais ils l'ont rejeté. Et ils l'ont méprisé. Et ils l'ont refusé. Jésus-Christ est refusé. C'était quoi un miracle refusé? Jésus-Christ est miracle refusé. Jésus-Christ. Les enfants d'Israël allaient marcher dans le désert, dire à Moïse. Refusé. Jesus was a rejected miracle. Moïse était un miracle refusé. Moses was a rejected miracle. William Branham était un miracle refusé. William Branham was a rejected miracle. Et Pasteur Baruti est un miracle refusé. And Pastor Baruti is a rejected miracle. Et tous les prophètes étaient un miracle refusé. All the prophets were a rejected miracle. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Nous allons nous les parole de Dieu. That will stand to raise the word of God. Et nous lirons dans 2 Chroniques chapitre 1er. We read in 2 Chronicles chapter 1. Là, j'ai commis une erreur. I think I made an error. J'ai dit chapitre premier. I said chapter 1. Oh là là. C'est ça. Oui. 2 Chroniques chapitre 1er. It's it. Depuis le verset 7. 2 Chronicles chapter 1 from verse 7. C'est ça. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. In that night, the God appeared to Solomon and said unto him, ask what I shall give thee. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. And Solomon said unto God, thou hast showed great mercy unto David, my father, and has made me to reign in his stead. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner
sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Now, O Lord God, let that promise unto David my father be established, for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in the multitude. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Give me now wisdom and knowledge that I may go out and come in before this people. For who can judge this thy people that is so great? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesses, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. And God said to Solomon, because this was in thine heart that thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet hast thou asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself that thou mayest judge my people over whom I have made thee king. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee rich honor such as none king have had before thee, and neither shall there any after thee have like. Prions. Dieu notre Père céleste. Our Heavenly Father. Ma prédication est tellement dure. My sermon today is so hard. Je voudrais être humble, Seigneur. I want to be humble, my Lord. Je crois que je prêche la vérité. I believe I'm preaching the truth. Aide-moi à le dire. Help me to say it. Accorde-moi des mots que je dois dire. Grant me the words that I may say. Pour que les gens comprennent. That people could understand. Utilise-moi, Seigneur. Use me, Lord. Déplace-moi, Seigneur. Take me out of the way, Lord. Utilise aussi mon frère, Jonathan, qui m'interprète. Help also my brother, Jonathan, who's interpreting. Et bénis cette église. And bless this church. L'Assemblée chrétienne de Dallas. Dallas Christian Assembly. Et bénis toute personne. Bless every person. Qui écoute cette prédication et qui écoutera. That is listening and will listen to this sermon. Sur le net. On the internet. Sois avec nous, Seigneur. Be with us, Lord. La vérité doit être connue. The truth needs to be known. Nous savons que la Bible dit vous connaîtrez la vérité. We know the Bible says you shall know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth shall set you free. Nous avons ainsi prié, Seigneur. And we prayed such, Lord. Parle. Speak. À ton peuple. To your people. Toi-même. Yourself. Nous prions ici au nom de Jésus-Christ. We pray in the Lord, name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. You may be seated. Vous avez suivi dans ma prière, j'ai dit que c'est dur. You follow my prayer, I said it's hard. Parce que because je dirai des choses clairement. I will say things clearly. Ma prédication, je l'intitule l'unité autour du don. My sermon, I call it unity around the gift. L'unité autour du don. Unity around the gift. Et je vais lire encore dans 2 Chroniques 5. I'm going to read again in 2 Chronicles 5. Depuis le verset 2. From verse 2. Et le verset 3. Verse 2 and 3. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs de tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes and the chiefs and the fathers of the children of Israel unto Jerusalem to bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. 3. 3. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra
le septième mois. Wherefore all the men of Israel assembled themselves unto the king in the feast which was in the seventh month. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. May the Lord add blessings to the reading of his. Je voudrais prêcher, comme je l'ai dit, sur l'unité autour du don. I want to preach today on unity around the gift. L'unité est très importante. Unity is really important. L'unité, c'est quoi? What is unity? C'est le caractère de ce qui forme un tout indivisible et harmonieux. The character that makes us one and indivisible in one God. Donc, ceux qui sont dans l'unité, well, those that are, ils sont indivisibles. They're indivisible. Et ils vivent dans l'harmonie. And they live in harmony. C'est ce que nous avons perdu dans le message de Frère Branham. That's what we lost, Brother Branham. Nous devons être sincères. We need to be sincere. Pas d'unité. No unity. Parmi nos églises. Et il n'y a pas d'harmonie. There's no harmony. Nous ne parlons pas le même langage. We don't speak the same language. Il y a un problème. Changez de micro, please. Vous savez, you know, Dieu lui-même reconnaît que pour atteindre le but, God recognizes himself that to attain the goal, vous devez avoir le même langage. You need to have the same language. Il a dit dans Genèse 11, he said that in Genesis 11, le verset, commençons à 5. Let's start in verse 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous, quoi, une même langage. The Lord came une down to see the city langue. And tower which the children had built. And the Lord said, behold, his people is one and they have one language. Et and c'est là ce qu'ils ont entrepris. This they begin to do. Donc, ils sont parvenus à ça. So they were able to do it. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. And now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Oui. Yes. Si vous n'êtes pas dans l'unité, vous réussirez pas. If you're not united, pas. You won't succeed. Non. No. Mais si vous êtes dans l'unité, but if you're united, vous allez réussir tous les projets. You'll succeed all your projects. C'est ce que Dieu dit. That's what God says. Pas moi. Not me. Dans Genèse 11. Genesis 11. L'unité. Unity. Nécessaire. Is necessary. Pour la famille. For the family. Nécessaire. Necessary. Pour une nation. For a nation. Nécessaire. It's necessary. Pour une église. For a church. Une famille où on ne respecte pas a family les parents. They don't respect the parents. Cette famille est morte. The family is dead. Oh papa, je viens. Oh father, I come. Je suis un homme. I'm a man. Toi. You. Une fille. A woman. De 14 ans. Je viens du Canada. 14 years old. I come from Canada. Elle dit que je suis un homme. She says I'm a man. J'ai ma femme là-bas au collège. I have my wife there in the college. Les parents allaient mourir. Les parents sont dans le message. Are in the message. They're about to die. Ma fille. They say my daughter. Pas dire ça. You can't say that. La fille a dit va-t'en. So they said get out of here. Et le gouvernement canadien protège la fille. The Canadian government protects the daughter. She's 14. Protéger la fille a quitté la maison, la fille est quelque part. Protected, the girl left home, she's somewhere. Elle est un garçon. And she's a boy. Elle veut se marier avec une femme. She wants to get married to a girl. C'est ça là où la civilisation nous a amené. And that's where civilization has taken us. Une maison où les enfants commencent à commander les parents. A house where the children start guiding the parents. C'est une famille morte. It's a dead family. Quand papa parle, on dit, ah, dit. When father talks, they say, oh, look. Quand la maman dit quelque chose, non. When mom says something, they say, no. J'ai grandi. I'm grown. Et une famille comme ça. A family like that. A échoué. Has failed. La famille doit être
unie autour des parents. The family needs to be united around the parents. Autour de papa et maman. Around father and mother. Les enfants doivent écouter papa et maman pour avoir une longue vie. The children need to listen to father and mother to have a long life. Est-ce c'est écrit? Yes, sir. Is it written? Oui, monsieur. C'est écrit où? Where is it written? Ephésiens 6. Ephésiens 6. De 1 à 3. From 1 to 3. Merci. Thank you. Avachivango. Et une nation où on ne respecte pas. A nation le président de la République. Respect the president of the republic. C'est une nation morte. It's a dead nation. On ne fait qu'injurier le président tout le temps. Just cursing out the president every day. Ce n'est pas une nation. That's not a nation. Essayez d'injurier le roi. Try to curse out your de Belgique. Of Belgium. On vous tuera. They'll kill you. Essayez. Try it. Ils peuvent avoir des problèmes. Ils peuvent ne pas s'entendre. Ils n'ont que deux tribus. Maybe they have problems. They don't get to get ils ont fait they 200 sans premier ministre. They did 2 years without prime minister. Personne n'a critiqué le roi. No one criticized the king. Une nation critique le président. A nation c'est une nation vouée à l'échec. The president is deemed to be doomed. Je ne sais pas si je vous dis la vérité. I don't know if I'm saying the truth. Un juif va parler contre Israël. A Jew talks about Israel. Non. No. J'étais en Israël. I was in Israel. Tout juif parle pour Israël. All Jews are for Israel. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Si vous parlez contre votre nation, if you speak against c'est your que own vous n'aimez pas votre nation. That means you don't love your votre own nation. Votre nation est morte. The nation is dead. Il y a des gens qui parlent contre leur pasteur. There's people that speak against their pastor. Oh, quel pasteur? Oh, what pastor? Batanga be pasteur, batanga paye. Si on doit nommer des pasteurs, qu'on nomme aussi le, par exemple le frère Baruti. Should we also name Pastor Baruti amongst the pastors? Non, il n'est pas un pasteur. No, he is no pastor. Frère Banam dit, qu'est-ce qu'un tel homme peut faire de bien pour vous? What can such a man do good to you? Un homme que vous critiquez tous les jours. A man you criticize every day. Il peut rien faire de bon he pour vous. He can do nothing good for you. C'est un homme de Dieu. That's a man of God. Dieu l'a placé là comme pasteur. God placed him there as a pastor. Si vous respectez Dieu, if you respect God, respectez aussi l'homme qui l'a placé comme pasteur. Respect the man that he's placed as pastor. Amen. Amen. Il a mis papy ici, vous devez le respecter. He placed papy here, you need to respect him. Ah. On l'a placé là, c'est pas parce que. You know, placed him there is not because. Une église doit être à 100% derrière. Son pasteur. A church needs to be 100% behind their pastor. Vous savez qui a dit ça? You know who said that? Le prophète William Marion Branham. Prophet William Marion Branham. C'est là où nous échouons. That's where we're failing. Que chacun soit à sa place. Let everybody be in their place. Moi, je ne prendrai pas votre place. I won't take your place. Je ne saurai pas faire ce que vous faites. I won't be able to do what you do. N'essayez pas de prendre ma place. Don't try to take my place. Vous ne saurez pas faire ce que je fais. You won't be able to do what I do. Amen. Amen. Au temps de Salomon. In Solomon's time. Tout Israël était autour du don. All of Israel was around the gift. Vous pensez que Salomon était parfait? You thought Solomon was perfect? Non. No. Il a fait une expérience avec Dieu. He may had his experience with God. Il leur a parlé de cette expérience. He spoke to them about this experience. J'ai vu Dieu. I saw God. Dans un songe d'ailleurs. In a dream. Et Dieu m'a dit. And God told me. Que je lui demande ce que je veux recevoir. That I should ask him whatever I would ask. I would need. Je lui ai demandé la sagesse. I asked him for wisdom. Pour conduire le peuple de Dieu. To lead the people of God. Qu'il m'a donné. That he's given me. Il m'a dit, he said, il me l'accorde. He granted it to me. Est-ce que eux, ils étaient là? Were they there? Ils étaient dans un songe, dans le songe de Salomon. In Solomon's dream. Mais ils ont cru à ça. No, but they believed it. Ils ont cru. They believed. Et on a amené un enfant, mon enfant. L'autre a dit aussi, mon enfant. The other one said, my child. C'est son enfant qui est mort. It's her child that died. C'était dans une, comment vous appelez ça? Maternité. That was in the maternity. Il n'y a pas de problème. They said, oh, there's no problem. Amenez l'enfant. Bring the child. Je vais le couper en deux. I'll cut him in half.
Comme ça, that way, chacun de vous aura une partie. Each one of you will have a part of them. Et une femme a commencé à crier, non, non. One of them started crying, no, no. Donne-lui l'enfant. Give her the child. Ne tue pas l'enfant. Don't kill the child. Il a dit, prends l'enfant. He said, take the child. Une vraie maman. That's a true mother. Même si, even if, l'autre discute pour avoir mon enfant. The other one argues to have my child. Moi, je voudrais mon enfant. I would like my child. Vivant. Alive. Même de l'autre côté. Even on the other side. Donc, c'était de la sagesse. So that was wisdom. Il dit, madame. Said, woman. Ce n'est pas ton enfant. That's not your child. Sinon, tu n'accepterais pas qu'on coupe l'enfant en deux. Because you wouldn't accept us to cut the child in half. Qui a un enfant ici, levez la main. Who has a child here, raise your hand. Dans une discussion, vous serez d'accord qu'on coupe votre enfant en deux? Would you like them to cut your child in half in an argument? Non, mais moi je ne voudrais pas. No, even I wouldn't like it. On va couper Messi, je dis. Hey. They cut Messi, they said. Je la veux vivante, pardon. No, I want her alive. Lydia. Elle est où? Where is she? Je n'aimerais pas qu'on puisse te couper. I don't want them to cut you. Non. No. Je te veux vivante, même si je I te vois là, dans la maison de cette autre femme là. Even if I see mais you tu es vivante. This other woman, but you're alive. Donc c'est de la sagesse. That's wisdom. Amen. Amen. Et les gens ont commencé à en parler de cela. And people started speaking about it. Tout Israël était derrière and ce don. All of Israel was behind that gift. Et c'était l'âge le plus grand. It was the greatest age que Israël n'a jamais vécu. That Israel has ever had. Israël a prospéré. Israel prospered. Comme jamais auparavant. Like never before. Et ils ont construit un grand temple. And they built a great temple. Que Israël n'avait jamais construit avant. That Israel never built before. À cause de l'unité. Because of unity. Autour d'un don. Around a gift. Quelqu'un peut dire amen à Can ça. Can somebody say amen to that? C'est la vérité. That's the truth. Et on appelait ce temple comment? And what they call a temple. Temple de Dieu. The temple of God. Temple du Saint-Esprit. Temple of the Holy Ghost. Temple de Jésus-Christ. Temple of Jesus Christ. Le temple de Salomon. No, they call it temple Mais Salomon of Solomon. Était vivant. Solomon was alive. Ça n'a chopé personne. And no one was shocked about it. Le banan prêché dans le temple du pasteur Edgar. Ça s'appelle comment? Banan was preaching in the temple of Edgar Temple. Edgar Temple. Oui, le temple d'Edgar. Edgar Tabernacle. Edgar Tabernacle. Frère Madame parle encore d'autres. Je n'ai pas amené ça. Je ne savais pas que je devais en parler. D'autres temples qui portaient le nom du pasteur. They preached another temple that bear the name of the pastor. Est-ce que ça posait un problème? Did it cause a problem? Nous avons Branham Tabernacle. We have Branham Tabernacle. Est-ce que Branham était vivant? Was Branham alive? Et il était dans Branham Tabernacle. And he was in Branham Tabernacle. Qui a posé un problème? Now who made it a problem? Personne. No one. J'ai prêché chez Edgar. Donc, Edgar Tabernacle, aucun problème. But say, I prayed at Edgar's Tabernacle. There was où, not a problem. Où se trouve le problème? Where's the problem? Au temps de Salomon, on appelait ça le temple de Solomon Temple times we call it Il était vivant, temple. Il avait peut-être 30 ans. He was alive, he maybe was 30 years old. De toute sa vie, il a vécu dans son temple qui portait son nom. He lived in his temple that bore his name. Ils étaient unis. Je vais vous lire ça. They were united. I'm going to read it. Croyez-vous au prophète William Branham? Do you believe in the prophet William Mary Branham? Moi, je crois qu'il est mon prophète. I believe he's my prophet. Il y a ici un plus here, grand que Salomon, paragraphe 35. Greater than Solomon, paragraph 37. Au jour de Salomon, in Solomon's day, Dieu donna un don à Salomon. God gave Solomon a gift. Tout Israël se rassemblait autour de ce don. All of Israel was rallied around that gift. Oh, ils pensaient que c'était merveilleux. They believed it was wonderful. Et tout le monde sait que cet âge-là And they know that age était le plus grand
qu'Israël ait jamais vécu. Was the greatest age Israel ever lived. Pourquoi? Why? Parce qu'ils s'est rassemblé autour du don. Because they rallied around the gift. C'est William Branham qui nous enseigne. William Branham is teaching us this. S'ils avaient rejeté les dons, if they rejected the gift, ils auraient eu des problèmes. They would have problems. Comme ils ont accepté les dons, but since they accepted the gift, c'était l'âge le plus glorieux de tous les âges d'Israël. It was the most glorious age of all the ages for Israel. Est-ce que c'est la vérité? Is that the truth? Un temple, un grand temple fut construit à cet temps-là. A great temple was built in that time. Et ils n'ont eu aucune guerre. And they had no wars. Durant tout le temps de Salomon. Throughout all of Solomon's reign. Il dit non, monsieur, ils n'ont pas eu de guerre. They said no, sir, they had no wars. Les autres pays avaient peur de lui. Other countries were afraid of him. Pourquoi? Why? Parce que les gens d'Israël étaient d'un commun accord. Because the people of Israel were in one accord. Et ils étaient avec Dieu parce qu'ils étaient avec quelqu'un qui avait Dieu. And they feared God because they were with someone that had. Jusqu'à sa mort. Up until his death. Pas de guerre. No wars. Tout le monde avait peur d'Israël. Everyone was afraid of Israel. C'est paragraphe 35. The paragraph 35. Il y a ici plus grand que Salomon. Greater than Solomon is here. Amen. Je peux continuer. I can go on. Oh frère. Oh brother. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est don là. What do you want to say? What is that gift? Le don, c'est don, le don. The gift is a gift. Qu'est-ce que vous voulez? What do you want? Vous me tirez des conclusions? Do you want to get conclusions out of it? Est-ce que Frère Branham dit ce que j'ai dit? Oui. Did Brother Branham say what I say? Yes. Oui. La reine de Sheba. The Queen of Sheba. La reine de Sheba. Queen of Sheba. Il dit ceci. He says this. Au paragraphe. Non, non. Il y a maintenant ici plus que Salomon, paragraphe 50. Oh, greater than Solomon is here. Ça s'est prêché en 64. Preached in 64. Ce que j'avais lu avant. What I read before. C'était prêché en 58. Was preached in 58. La même chose. The same thing. Donc, Frère Branham a prêché ça plusieurs fois. Brother Branham has preached it many times. Donc, celui qui est dans le message doit croire à ça. So, the one that's in the message needs to believe this. Paragraphe 49. Et dans l'âge de Salomon, Prayer 49, in Solomon's age, un grand réveil avait eu lieu. There was a great awakening. Dieu avait donné un don. God gave a gift. Et toute la nation s'était rassemblée autour de ce don. And the whole nation rallied around that gift. Et tout le monde était venu. Everybody come to it. Et ils croyaient à ce don de tout leur cœur. They believed in it wholeheartedly. Amen. Amen. Et le paragraphe 50 dit, paragraph 50 says, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Wouldn't that be a wonderful thing? Si ça se produisait parmi les gens ce soir. If it happened amongst the people tonight. Si toute l'Amérique. If all America. Tous ceux qui se disent chrétiens. All people that call themselves Christians. Se rassemblent autour du don de Dieu. Would rally around God's gift. Dans ces derniers jours. In the last days. Je ne suis pas encore là. I'm not there yet. Je ne suis pas encore là. I'm not there. Mes frères. My brother. C'est pas moi qui prêche, le pasteur Branham qui prêche. It's not me, it's Pastor Branham preaching. C'est clair. It's clear. Nous devons nous réunir autour du don. We need to rally around the gift. Vous croyez à cela? Do you believe it? C'est ce qui a fait qu'au temps de Salomon, ils étaient bénis. That's why they were blessed in Solomon's time. Pourquoi ils étaient bénis? Why were they blessed? Parce que tous croyaient à ce don. Because they all believed in the gift. Parce qu'ils parlaient le même langage. Because they all spoke the same language. Parce que les échos partaient. Because the echoes went out. Bakoyoka lokito. Bakoyoka sango. Et les échos étaient partis partout. The echoes went out everywhere. Bakoyoka basango. Bakoyoka lokito. Quand Dieu fait quelque chose, personne ne peut cacher ça. When God does something, no one can hide it. Comment cacher? How will you hide Dieu ressuscite les morts. Comment vous allez cacher ça? Raise up a dead. How will you hide it? Bakoyoka lokito, bakoyoka sango. Et c'est parti. And it went out, and went out. Et la reine de Sheba aussi a reçu les échos. And the queen of Sheba also heard the echo. Et elle a dit, je veux moi-même
voir. She said, I want to see for myself. Vous savez ce que vous mettez là, vous traduisez en anglais, un jour les gens chercheront à me voir. You know the thing that you translate in English, one day the people will look to see it. Et ils ont vu. And they see. Ils se sont dit, ouh. Ils sont rentrés, ils ont dit à la reine, toi tu n'as pas encore vu la reine, a dit je pars. They went back, they told the queen, you never seen it. I said, I'm going. Et la reine est partie. And the queen went. Et la reine a vu. And the queen saw. La reine a cru. The queen believed. À ce don-là. In that gift. C'est écrit dans la Bible. It's written in the Bible. Yes, sir. Oui, monsieur. Le madame dit, si j'apprends qu'il y a un réveil quelque part. But the madame said, if I learn there's a revival somewhere. Si je ne parle pas, je vais mourir. If I don't go, I'll die. Je ferai tout pour aller assister à ce réveil-là. I'll do everything to assist and be part of this revival. Aujourd'hui, quand on apprend qu'il y a un réveil, tout le monde a peur. Today, when they say there's a revival, everybody's afraid. Vous avez peur de quoi? What are you afraid of? C'est Dieu qui a allumé un réveil. It's God that put forth his fire. Amen. Et au temps de Jésus. In the time of Jesus. Je dis bien au temps de Jésus. I said it's in the time of Jesus. Dieu leur avait donné le plus grand don de tous les temps. God gave them the greatest gifts of all times. Les malades étaient guéris. The sick were healed. Les gens people croyaient en Jésus. Believed in Jesus. Ils ne pouvaient même pas sortir de sa maison. They could not even là où il était. Get out of the house where he was. Pourquoi? Why? Tout Israël était devant sa porte. All of Israel was before his door. Ah, frère Baruti, tu as exagéré. Brother Branham, you. Frère Baruti, tu as exagéré. Brother Baruti, you know you're going too far. Je n'ai pas exagéré. But I didn't exaggerate it. No. C'est Marc chapitre 1er, le début seulement de son ministère. The beginning of his ministry. Il guérit ici, il guérit là-bas, il guérit là-bas. Le verset 28 dit, verse 20 says, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. And immediately his fame spread throughout all the region about Galilee. Hey! Mon Dieu. My God. Et le soir, 32. 32. Après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased and them that were possessed with devils. 33. Et toute la ville était rassemblée où? Devant sa porte. And all the city was gathered together at the door. Jésus ouvre la porte. Jesus opened the door. C'est quoi? What is it? Oh non, c'est tout Dallas qui est là. Oh, the whole Dallas is there. Ça va créer la jalousie. It will create jealousy. Là où il se trouve, on ouvre même la toiture pour descendre les malades. Where he's, they even open up the roof to bring the sick down. Guérison. Healing. Guérison. Healing. Il regarde, guérison. He looks, there's a healing. Un pas derrière, guérison. One step behind, un a pas healing. Ici, guérison. One step un step pas là-bas, guérison. Spread behind is healing. Les aveugles, voyez. Les lépreux purifiés. Leprosy purified. Les sourds muets parlaient. And the deaf, dumb spoke. La jalousie est venue. It's jealousy that came in. Ne le suivez pas. Don't follow him. C'est un Belzeboul. He is Beelzebul. Belzeboul signifie le chef des démons. Beelzebul is the chief of demons. Donc Jésus a été rejeté. So Jesus was rejected. Et ils l'ont tué nu they à la croix. Him dead on the cross. Mais ils ne peuvent pas tuer. But they cannot kill. Le don. The gift. Ce don est allé vers Pierre. The gift went to Peter. Pierre aussi ressuscitait les morts. Peter also rose the dead. Ils ont tué Pierre. Ce don est allé vers Paul. This went to Paul. Paul aussi ressuscitait les morts. Paul also rose the dead. Vous ne serez pas arrêté les dons. Able Dieu aura toujours un témoin quelque part. God will always have a witness somewhere. Je crois que vous me suivez très bien. I believe you follow me carefully. Ils ont rejeté le plus grand don que Dieu n'a jamais envoyé dans le monde. They rejected the greatest gift God ever put in the world. Faites attention. Be careful. Vous risquez de
de rejeter aussi les dons que Dieu vous donne. You might also risk reject the gift. S'ils ont rejeté Jésus, if they rejected Jesus, ils peuvent aussi me rejeter. They can also reject me. Parlons un peu de Frère Branham. Let's speak about Brother Branham. Dieu a envoyé un grand don dans cet âge. God sent a great gift in this age. Et son nom est William Marion Branham. His name is William Marion Branham. Bien qu'il s'est caché, il disait Dieu a envoyé le don. Le don c'est le Saint Esprit. Le don c'est lui. He said that he heard. He said, "No, the gift is the Holy Ghost. The gift was him." Le don agit dans un homme. The gift acts in a man. Le Saint Esprit c'est où? Dans les airs. Where is the Holy Ghost? In the air. Le don c'était Branham. The gift was Branham. Et ils l'ont rejeté. And they rejected him. Ils l'ont rejeté. They rejected him. Vous le savez? You know it. Frère Branham a dit, ils m'ont rejeté. Brother Branham said they rejected me. Frère Branham a dit, l'Amérique m'a rejeté. He said America rejected me. Ah, mais c'est vrai? Oui. Is it true? Yes. Posez la question aux Américains ici, Branham, ils ne connaissent pas. As the people here in America, Branham, they don't know him. Connaissent pas. They don't know him. J'étais à Jeffersonville. I was in Jeffersonville. Je leur parle de Branham, ils connaissent pas. I talked to them about Branham, they didn't know him. Je leur distribue le brochure, ils disent, c'est quoi? I give them the sermon book, they say, what is this? Je cherche la maison de Joseph Branham, ils connaissent pas. I look for Joseph Branham's house, they don't know it. Je dis, c'est là où se trouvait Branham dans le temps, frère Branham, le prophète, ils connaissent pas. They don't know him. Alors que c'est une petite ville comme ça. But it's a little city like ils this. Ont rejeté le prophète William. They rejected the prophet William Branham. Ils sortaient seulement pour voir. Just go outside. Toutes to see les it. Femmes sont en pantalon. All the women are in pants. Si Frère Branham était là aujourd'hui, if Brother Branham was there that day, personne n'entrait dans son église. Today, no one would get in this church. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Qu'est-ce qu'il dit? What is he saying? Non, la femme ne peut pas mettre les pantalons. Oh, women can't wear pants. Arrête. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Je ne peux pas aller dans cette église-là. I can't go in that church. Ils ont rejeté Branham. They rejected Branham. Je vais vous lire ça. I'm going to read it to you. Ils ont rejeté Branham. They rejected Branham. Ils ont dit Dieu a déjà fini. They said God is already done. Il peut pas guérir les malades aujourd'hui. He can't heal the sick today. Non. No. Dieu a terminé avec la guérison divine. God is done with avec divine les healing. Apôtres. With the apostles. Il peut pas guérir les malades aujourd'hui. He can't heal the sick today. C'est que Frère Branham dit là. But Brother Branham says. C'est faux. It's wrong. Il n'a pas guéri les malades. Vous le savez, non? Sick. You know that. Avec Best, le pasteur, le grand pasteur Best. With the great pastor Best. De Houston. Of Houston. Il a exposé Frère Branham devant tout le monde. He tried to expose Brother Branham in front of everyone. Mais quand on a pris la photo de Frère Branham, but when they took Brother Branham's picture, la colonne de feu, with a pillar of fire, est sortie sur sa tête, came up above his head. Le photographe, c'était le photographe de Best, le pasteur Best. It was Pastor Best's photographer that took the picture. Quand vous voulez abaisser quelqu'un, when you want to lower somebody, qui est de Dieu, who's of God, vous voulez Olingio qui te saillait, you want to lower him. Dieu doit l'élever. God has to lift him up. Pourquoi? Why? Mais parce qu'il a Dieu. Because he has la God. Main de Dieu est capable de l'élever. The hand of God is able to lift him up. Cette photo-là a été prise par un photographe engagé par Best, le pasteur Best. This picture was taken by a hired hand by Pastor Best. Il est venu voir Frère Branham et dit, he came and saw Brother Branham and said, vous êtes vraiment un serviteur de Dieu. You're truly God's servant. Comment? Jésus a dit, vous? Vous cherchez un miracle. Jesus said, you're looking for a miracle. Tout ce que j'ai fait comme miracle, vous n'avez pas vu. All the miracles I've done, you haven't qu'est-ce seen. Qu'est-ce que vous cherchez? What are you looking for? Vous serez jugé par la reine. You'll be judged by the queen. De Sheba. Of Sheba. J'ai sauté ça, on doit aller là-bas aussi. I jumped it up. Matthieu 2. Go there. Matthew chapter 2. Beaucoup seront jugés. Many will be judged. Par la reine là. By that queen. La reine de Sheba. The queen of Sheba. Il vous jugera. Will judge you. Nous voulons un miracle. We want a miracle. Nous voulons un miracle. We want a miracle. Et si tu es vraiment, if you're truly, ce que tu es en train de dire, fais un miracle maintenant. What you're saying, do a miracle right now. Il y a ici, here, plus que Salomon. Greater than Solomon is here. Il n'a pas dit plus que le don de Salomon. He didn't say greater than the gift plus of Solomon. Plus que Salomon. He said greater than Solomon. Non. Continue. Now let's go on. Notre Dieu est merveilleux. Our God is wonderful. Ils ont rejeté Frère Branham. They rejected Brother Branham. Ça vous le savez, n'est-ce pas? There you know.
Frère Branham dit ceci au paragraphe 36. Brother Branham said this paragraph 36. Il dit, ne serait-ce pas merveilleux ce soir si les gens religieux d'Amérique croiraient le plus grand don que Dieu ait jamais envoyé au monde. He said, wouldn't it be wonderful if the people of America today believed in the greatest gift that was sent to the world? Le Saint-Esprit, the Holy Ghost, se rassemblait autour de lui. Would be gathered around it. C'est, il y a ici plus que Salomon. It's in greater than Solomon is here. Vous pensez qu'il parlait de qui? Who do you think he was talking about? De lui-même. Of himself. Pourquoi il a prêché ça? Il parlait de lui-même. He spoke of himself. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. L'Amérique va se rassembler. America is going to rally. Sur le plus grand don que Dieu n'ait jamais envoyé. On the greatest gift God has ever sent. Le Saint-Esprit. The Holy Ghost. L'Amérique. America. Et oh non, nous ne voulons pas de miracles. Frère Branham dit, oh no, we don't want à miracles. Quoi sert un Dieu historique? Brother Branham said, oh, what is a historical God good for? S'il n'est pas le même aujourd'hui. If it's not the same today. Oh, Frère Baruti ne parle que des guérisons divines. Brother Baruti only speaks of divine healing. Jésus ne parle que des guérisons divines. Jesus only speaks of divine healing. 86% du ministère de Jésus c'était la guérison divine. 86% of Jesus' ministry was divine healing. Et 86% du ministère de Frère Branham était basé sur la guérison divine. Of the humility of Brother Branham was based upon divine healing. À quoi sert Jésus aujourd'hui? S'il ne guérit pas les malades? What is Jesus good for if he doesn't heal the sick? S'il n'accomplit pas des miracles? If he doesn't do the miracles? S'il n'est pas le même ce soir? If he's not the same tonight? Frère Branham dit. Brother Branham s'il ne lève pas, je n'ai pas besoin de lui. If he doesn't do it, I don't need je n'ai rien à voir avec lui. I have nothing to do with him. Car la Bible dit, and the Bible says, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesterday, today and forever. Si ce n'est pas ça, alors that's not it, la Bible n'est pas la vérité. The Bible is not la the Bible truth. Nous a dit un mensonge. The Bible told us a lie. C'est paragraphe 41. Paragraph 41. Nous sommes toujours we're always dans, il y a ici un plus grand que Salomon. And the greater than Solomon is here. Pour rejeter il faut des miracles parce que eux ne peuvent pas faire ça. He does miracles, but they can't do it. Bon, vous enlevez les miracles. You take the miracles out. Vous prêchez pourquoi? Why are you preaching? La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. The Bible said these are the signs that shall follow them that believe. Si vous pouvez pas le faire, acceptez quand même la personne qui fait ça. Then accept the person that does it. Vous êtes avec moi? Are you with me? Ils ont rejeté Frère Branham. They rejected Brother Branham. Un si grand prophète. That's such a great prophet. Vous savez que Frère Branham était un grand prophète. You know, Brother Branham was such a great prophet. La reine de Saba, paragraphe 39. The Queen of Sheba, paragraph 39. Prêché en 1961. Preached in 1961. Tous les peuples se ralliaient autour the du don de Salomon. Were rallied around the gift of Solomon. Est-ce que ça serait pas merveilleux ce soir? Wouldn't it be wonderful today? Si toute l'Amérique, if all of America, nous les Américains, us Americans, nous puissions oublier nos différences dénominationnelles, we can forget our denominational differences, et si nous nous rallions tous autour du don, and we will all rally around the gift que Dieu nous donne, that God gives us, le Saint-Esprit, the Holy Ghost, si chaque église et chaque personne se ralliait autour de cela, if every church and every person rallied around that gift, ce serait la conversation de tout le monde. It will be the conversations of everyone. Il discerne les pensées des cœurs. Oh, he discerns the thoughts of the people. Il prie pour les malades. He prays for the sick. Il a créé l'écureuil. He created the squirrel. Il ressuscite les morts. He raised the dead. Il dit mais non. He said but no. Mais non. No. Si ce n'est pas notre dénomination. If that's not a denomination. Mais si ce n'est pas notre dénomination. If it's not our denomination. Si c'est notre dénomination, c'est très bien. It's good if it's our denomination. Mais si ce n'est pas notre dénomination. But if it's not our denomination. Si elle n'est pas avec nous. If it's not with us. Si ce don n'est pas avec nous. If that gift is not with us. Non. No. Nous n'avons rien à faire avec cela. We have nothing to do with it. Ça c'est Branham. That's Branham. Paragraphe 39, la reine de Saba. Queen of Sheba, paragraph 39. Ils ont rejeté le frère Branham. They rejected William Branham. Si quelqu'un comprend très bien. If somebody understands well, qu'il le dise amen. May he say amen. Je vous dis la vérité. Truth. L'Amérique a rejeté le prophète William Branham. America rejected the prophet William Marion Branham.
Je suis très, très, très clair. I'm very, very clear. Mais maintenant, but now, ah, Jésus. Mais Dieu a toujours quelqu'un dans chaque génération. God has some every generation. Dieu doit avoir quelqu'un. God needs to have somebody. Aujourd'hui. Today. Ah, Frère Baruti. Qu'est-ce que tu veux dire? What do you want to say by that? Nous devons faire attention. We need to be careful. Les gens croient à ce qui était passé. People believe what happened. Ils croient au passé. Facilement. They believe in the past easily. Si vous étiez au temps de Jésus, vous auriez cru en Jésus? If you were in Jesus' time, would you have believed in Jesus? Il était tué nu à la croix. He was killed naked on the cross. Rejeté. Rejected. C'est pour cela que le peuple juif souffre jusqu'à aujourd'hui. That's why the Jewish people suffer to today. Si vous étiez Paul, vous auriez cru en Paul. If you were in Paul's time, would you believe Paul? Paul était rejeté. Paul was rejected. On lui a coupé la tête. They decapitated him. Qui le sait? Who knows that? Décapité à cause de l'évangile qu'il prêchait. Decapitated because of the gospel he preached. Faites attention. Be careful. Vous risquez de rejeter la personne que Dieu vous a envoyée. You risk rejecting the person that God has sent you. Nous devons faire attention aujourd'hui. We need to be careful today. Nous ne voulons pas de lui. Ah, c'est bien. But we don't want him. Oh, that's good. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. But it's God that chose him. Les apôtres réunis. The apostle united. Avaient choisi Matthias. When they before they chose Matthias. Pour remplacer qui? Judas. To replace who? Judas. Jésus descend du ciel. Came down from heaven. Choisi qui? Choose who? Paul. Paul. Saul de Tarsus. Saul of Tarsus. Pour remplacer qui? To replace whom? Judas. Judas. Qui avait raison? Who was right? Les apôtres. The apostles. Ils étaient avec Jésus. There would be Jesus. Pendant 3 ans et demi. For 3.5 réunis, years. United. D'un commun accord. From one commun. Ils ont jeté le sort. And they cast the lots. Il y avait Joseph et Matthias. Et Matthias. Le sort est tombé sur Matthias. And Matthias and the lot fell on Matthias. Qui a raison? Who's right? Les apôtres. The apostles. Ou un Paul qui n'a pas vu Jésus. Or Paul that never saw Jesus. Suivez-moi bien. Follow me carefully. Je veux vraiment pas perdre votre temps. I don't want to lose your time. Mais c'est dans l'écriture. But it's in the scriptures. Vous allez lire ça à la maison. You'll read it at home. Vous allez lire à la maison. You'll read it at home. Actes chapitre 1 verset 16 à 26. Acts chapter 1 verse 16 to 26. Et c'est Pierre qui a fait la prédication. Peter did the sermon. Il prêche. He's preaching. Oh frère. Oh brothers. Il fallait que ça s'accomplisse. Ce que le Saint-Esprit. It must be accomplished with the Holy Ghost. Dans l'Écriture a annoncé d'avance. As told before. Il a parlé. He spoke. Nous devons prendre des gens qui étaient avec nous. We need to take people that were with us. Qui ont vu Jésus. Jésus les a vus. That's how Jesus saw them. Jusqu'à aujourd'hui. Till today. Ils ont même prié. Verset 24. Puis ils firent cette prière. And they prayed. Seigneur. And said, Lord. Toi qui connais les cœurs de tous. Which know the hearts of all men. Désigne lequel de ces deux tu as choisi. Show whether these two you have chosen. Et Dieu avait bouché ses oreilles. And God blocked their ears. Il n'a pas écouté cette prière. He didn't listen to this prayer. Afin qu'il n'ait pas à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné. That they may take part of this military apostolship that Jesus had given to them. Et le sort tomba sur Matthias. And they gave forth their lots, and the lot fell on Matthias. Et qui fut associé aux 11 apôtres. And he was numbered with the 11 apostles. Vous avez entendu seulement que Matthias a guéri une mouche. Did you even hear Matthias heal a fly? Où Matthias est allé prêcher quelque part. Or Matthias went and preached anywhere. Où Matthias a évangélisé quelque part. Or Matthias evangelized somewhere. Mais Dieu est allé choisir qui? But God went and chose whom?
Paul. Paul. Acte chapitre 9. Acts chapter 9. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul, why persecuted that me? Et pourtant Paul dans son cœur, il partait pour tuer les chrétiens. He wanted to kill the Christians. Dieu choisit qui il veut. God chooses who he wants. Il donne le ministère à qui il veut. He gives the ministry to whoever he wants. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc. Will it be white or black? Rouge. Red. Ou jaune. Or yellow. Qu'il soit illettré. Will it be illiterate? Ou érudit. Dieu choisit qui il veut. Or unlearned. God chose who he wants. La Bible dit au verset 1. The Bible says verse 1. Saul respirait encore la menace contre les disciples du Seigneur Jésus. Fâché, il doit les tuer. And Saul was yet breathing threat and slaughter against the disciples of the Lord. Et au verset 3. Verse 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit auprès de lui, tomba par terre. And as he journeyed, he came to Damascus, and suddenly shined around about him a light from heaven. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? And he fell on the earth and heard a voice from heaven saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? And he said, who art thou, Lord? Et le Seigneur dit, and the Lord said, je suis Jésus que tu persécutes. I am Jesus whom thou persecutest. Tu risques de persécuter Jésus aujourd'hui? You risk persecuting Jesus today. Tu risques de persécuter Jésus aujourd'hui. You risk persecuting Jesus today. Et il lui a parlé. And he spoke to him. Il lui a dit, Matthias, c'est là qu'ils ont choisi. Je ne suis pas là. He said, Matthias, that they chose, I'm not there. Vous allez me dire, oh, où est-ce que c'est écrit? You say, where is it written? C'est le frère Branham qui a dit. Brother Branham said it. Il a dit, les apôtres. He said, the apostles. Ont choisi qui? Chose who? Matthias. Matthias. Mais Dieu. But God. A choisi qui? Chose who? Paul. Paul. Saul de Tarsus. Saul of Tarsus. Ah, frère Baruti, montre-nous. Brother Baruti, show us. Est-ce que lui-même avait compris? J'ai dit oui. Did he understand himself? Prenez avec moi Romains chapitre 1 verset 1. Take with me Romans chapter 1 verse 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. Donc Jésus lui avait parlé. So Jesus spoke to him. Comme moi, je dois me présenter. Je dois présenter ce que je suis. When I present myself, I need to present what I am. Sinon, vous direz, non, on ne savait pas, il ne s'était pas présenté. Or you say, oh, I didn't know he didn't present himself. Après Romains, c'est quoi? After Romans is what? Corinthien. Corinthian. Prenez 1 Corinthien. Take 1 Corinthians. Verset 1. 1 verse 1. Comment il se présente? How does he present himself? Paul. Paul. Appelé à être. Called to be. Apôtre de Jésus-Christ. An apostle of Jesus Christ. C'est écrit comme ça chez vous aussi? Is it written in your Bibles also? Mais pourquoi il peut se présenter seulement comme apôtre? So why does he present himself as an apostle? Parce que Dieu lui a dit, eux, ils ont échoué, ils ont choisi Matthias. God said they failed, they chose Matthias. Mais le serviteur. But the servants. Que je considère comme apôtre pour rassembler Judas. Consider as a servant. Prendre le de Judas, c'est toi. To replace Judas, that's you. Il était fier de son appel. He was proud of Paul. Paul. Appelé à être apôtre de Jésus-Christ. An apostle of Jesus Christ. Par la volonté des apôtres. By the will par of la volonté de qui? By the will de of Dieu. Through the will of God. Non, non, ce n'est pas terminé. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Non, 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 non. On doit aller dans 2 Corinthiens. We need to go to 2 Corinthiens. Et 2 Corinthiens aussi se présente. 2 Corinthiens. Yes, sir. 2 Corinthiens 1:1. 2 Corinthians 1:1. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, an apostle of Jesus Christ. Par la volonté des apôtres. By the apostles. Par la volonté de Dieu. Of God. Oh, frère Baruti, pourquoi tu parles comme ça? Okay, Dieu m'a parlé. Why do you speak like je ne dormais pas. I was not sleeping. Mon serviteur va dans la chambre. My il m'a parlé. Go in the room. He spoke to me. Je vais te donner quelque chose. Il m'a parlé. He spoke to me. Et il y avait des gens qui étaient là. And there was people there. Et ils n'écoutaient pas, mais moi j'ai écouté. And they weren't hearing, je dis, qui m'appelle? He said, who's calling il me dit, c'est moi qui t'appelle. He said, I'm calling rentre you. Dans ta chambre. Go in your room. Ferme la porte. Close the door. Mais Salomon n'a eu qu'un songe. Solomon only had one dream. Moi, ce n'était pas un songe. It was not a dream.
J'ai entendu Dieu comme vous parlez. I heard God just like you comme hear vous m'entendez. Like you hear me. Allons dans Ephésiens. Let's go in Ephesians. Qu'on avance. Let's go forward. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il se présente aux Ephésiens? How does he present himself to the Ephesians? Ephésiens 1:1. Paul. Ephesians 1:1. Apôtre de Jésus-Christ. An apostle of Jesus Christ. Par la volonté des apôtres. By the will of the apostles. Par la volonté de Dieu. By the will of God. Comment? How? Ah, il est orgueilleux. Oh, he's proud. Les apôtres pouvaient dire non, nous avons choisi Matthias. Apostles could say no, we chose Paul Matthias. Disait je m'en fous. Paul said I don't care. On a sauté Galates. We jumped over Galatians. Galates 1. Galatians 1. 1. Paul apôtre de qui? Paul apostle who? De, non, de la part de qui? Des hommes. By who? Not. De la part des hommes. By man. Qui peut lire ça? Who can read that? Qui peut lire ça? Who can read it? Lisons à haute voix. Read aloud. Paul. Paul. Apôtre. An apostle. Non pas de la part des hommes. None of men. Ni par un homme. Neither by man. Mais par Jésus-Christ. But by Jesus Christ. Et Dieu le Père. And God the Father. C'est qu'il donne un coup de pied. That means he kicks